Eh bien, ça nous rajeunit pas tout ça. Donc, salut à tous, c'est Yoshi pour Yoshi's World TV. On se retrouve aujourd'hui avec Tekken, le tout premier, comme vous voyez, sorti en 94 en arcade, hein, pour contrer Virtua Fighter, le premier jeu de combat 3D de l'histoire du jeu vidéo. Namco a sorti la réplique, hein, Namco qui était déjà très 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 présent sur l'arcade, a sorti ce titre Tekken pour le porter en plus en 95 directement sur sur la PlayStation de Sony. Hein. Sony avait décidé de faire confiance à Namco, un autre grand de l'arcade de l'époque, justement pour pouvoir essayer de contrer Virtua Fighter, qui était aussi sorti lui sur console, sur la Sega Saturn. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne tout de suite. Bon, moi je vous avoue, je le connais pas. Ce titre, je l'ai chopé il y a pas longtemps. Moi j'étais, je connais bien la série, j'aime beaucoup d'ailleurs la série, mais j'ai pas du tout joué à cet épisode. Donc le tout premier, hein, c'est vrai qu'à l'époque moi j'étais totalement sur la Nintendo 64 et même en 95 j'étais certainement encore sur la Super NES. Donc on a 8 personnages jouables dans ce titre, hein, Yoshimitsu, Nina, Lo, Kazuya, Paul, Jack, King, Michel et moi je vais prendre Lo. Parce que c'est à peu près le personnage que je maîtrise le plus dans la plupart des Tekken. Donc c'est vrai que Tekken c'est une licence que j'aime particulièrement. Très sincèrement, j'aime beaucoup cette licence, c'est tout. C'est un des jeux de combat que j'ai toujours préféré de ma vie. Moi je suis plus versus fighting en 3D plutôt que en 2D à la Street Fighter et autres jeux. Donc c'est vrai que ça me fait plaisir de pouvoir tester un petit peu ce que ce premier Tekken justement avait dans le ventre, faut reconnaître que c'est pas trop mal. Bon, là on est sur pour les besoins, hein, de la vidéo, que ce soit un peu plus simple, on est en émulation, donc il y a quelques shaders qui ont été rajoutés mine de rien parce que c'est nettement plus pixelisé. Normalement quand vous faites tourner le jeu sans les shaders, je l'ai fait tourner sans les shaders, sans les plugins, le jeu est beaucoup moins lissé, le sol est beaucoup plus pixelisé, même les modèles 3D et tout sont beaucoup moins précis. Bon, malgré tout, le jeu restait quand même au niveau de la 3D, etc., bien supérieur à Virtua Fighter, qui à l'époque lui avait une 3D mais non texturée et assez coupée, comme on dit, à la serpe. Alors que là on avait quand même beaucoup plus de détails sur les persos, donc ce qui faisait carrément plaisir. Et qui était carrément supérieur en fait à ce premier Virtua Fighter. Donc moi comme je vous dis j'ai pris Lo, c'est vraiment un des personnages que je maîtrise le plus. On est sur le mode arcade, il y a très peu de modes de jeu dans ce premier Tekken. Voyez là le sol justement, hein, les arènes pixelisées, c'est x3 au moins sans le lissage vis-à-vis des plugins. Et c'est pareil sur les textures, sur les persos. Donc voilà. Oh, joli shop de King. Donc il y a déjà les shops, hein, tout est quasiment là, hein, dans ce premier volume de Tekken, avec les shops justement avec croix plus carré. Simultanément. Donc on avait quelques pseudo-shops, si je dis pas de bêtises, dans Virtua Fighter, je crois que c'était peut-être même pas avec tous les persos. Alors que là on a au moins deux shops par personnage, donc avec carré plus croix ou rond plus triangle. Ce qui est vachement sympa et qui donne vraiment du peps à ce Tekken. Donc là je me suis mis en mode médium, hein, pour faire une petite vidéo. C'est pas une vidéo qui va durer très longtemps, c'est juste pour découvrir un petit peu le titre. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ça leur donnera un petit coup d'histoire, une petite piqûre de rappel. Mais franchement, pour l'époque, hein, sur tube cathodique, hein, je précise bien aussi, ça c'est assez important mine de rien de le signaler, hein, sur tube cathodique, tout ce qui est pixelisation et tout, c'est vrai que ça se voyait beaucoup moins, et à l'époque, on avait que ça, surtout. Alors l'intérêt aujourd'hui de se refaire un Tekken 1, il est très, il est très limité, c'est vraiment pour le côté historique, hein, que j'avais envie de me refaire ce jeu. Comme je vous dis, voilà, il a marqué l'histoire, hein, comme étant aussi d'ailleurs le premier jeu à se vendre aux millions d'exemplaires sur PS1, donc le premier jeu, un des premiers jeux en tout cas du coup, parce qu'il y en a eu d'autres dans la foulée, hein, comme Wipeout, comme Ridge Racer, à sortir dans la fameuse gamme Platinum. La gamme Platinum, voilà, c'était les jeux million sellers de la PlayStation, qui s'était vendu à plus d'un million d'exemplaires, qui sont ressortis à moitié prix dans ces versions Platinum qu'on connaît
bah, toujours aujourd'hui, même si aujourd'hui ils ont changé un petit peu le nom, hein, ça s'appelle la gamme Essentials sur PS3, alors que voilà, au moment où je vous dis ça, pour la PS4, ça n'est pas encore arrivé, on n'a pas encore eu de jeu en gamme Essentials. Waouh, joli, bien vu. Donc c'est vrai, c'est assez plaisant, c'est mine de rien, c'est très 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 dynamique et beaucoup moins lent, et vous le voyez carrément là dans les sauts, justement, que c'est beaucoup moins lent que dans un Virtua Fighter. Donc ça, c'est vrai que c'est un sacré atout, hein. Techniquement, il mettait la tarte une nouvelle fois, et par rapport à Virtua Fighter, il n'y avait pas photo. Il n'y a pas photo. Sur un Virtua Fighter 2, sur Saturn, ça se discute plus nettement. Et c'est vrai que Tekken, techniquement, dès le premier épisode, quand même, il mettait à l'amende tout ce qui se faisait. Et c'était vraiment un sérieux concurrent dans le domaine de du jeu de baston, que ce soit 2D ou 3D. Hein, franchement, il valait largement le coup. Je vais essayer de bien jouer. On va juste se faire une très petite vidéo. Hein. C'est une petite vidéo... quasiment découverte du titre, même si j'ai joué un tout petit peu tout à l'heure, histoire de voir un petit peu ce que ça donnait. Ah, je viens de me faire mettre KO par Michel, la petite indienne, hein, qu'on retrouve sa fille Julia, justement, Michel Chang et Julia Chang dans Tekken 3. Moi, Tekken 3, vraiment, c'est l'épisode que j'avais quasiment le plus dosé. Le dernier sur lequel j'ai pu jouer, voilà, c'était l'épisode en free-to-play. Je sais même plus comment il s'appelait. Il se basait en fait sur Tekken Tag Tournament 3, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je m'étais bien amusé. J'avais aussi essayé la version Wii U sur laquelle je me suis bien marré avec pas mal de petits costumes bonus, etc. Donc c'était plutôt sympa de pouvoir l'essayer aussi sur Wii U, de se refaire un petit Tekken, et j'attends avec impatience Tekken 7 qui devrait sortir. On n'a pas trop de... Ah tiens, ça c'est Jack, justement, avant qu'ils deviennent robotisés, avant qu'ils deviennent Gun Jack. Donc c'est bien, on reconnaît tous leurs combos, hein, les combos principaux. Ils sont là, vous voyez, là, je me mets en protection avec la touche arrière. On reconnaît déjà tous leurs combos. Donc ça, c'est vachement sympa, je trouve. Putain, j'adore. On reconnaît déjà tous leurs combos, leurs combos de base. Donc ça, c'est vachement sympa d'avoir vraiment les bases du jeu dans ce premier Tekken. J'essaie de pas me faire avoir au time-up, ce serait bien. Ah, je me suis fait avoir une seconde à la fin par KO. C'est pas grave. On peut régler, bien entendu, le nombre de rounds, hein, forcément, avant une victoire. Ça fait vraiment gros lourdeau le Jack. Ouais, donc on peut régler le nombre de rounds, le temps, etc. Moi, j'ai laissé vraiment tout de base là pour le coup. J'ai vraiment pas été faire un tour dans les options. Je voulais vraiment partir dans le plus pur esprit. Donc, combien de modes de jeu dans ce Tekken, bah, il y en a que deux. Putain, la vache, il me met la branlée. Il y en a que deux, hein, que ce soit le mode arcade ou après le mode versus, sur lequel, bien sûr, à l'époque, on passait, j'imagine, le plus de temps. Et on va continuer, puisque là, je suis game over, je viens de me faire niquer. On va essayer de bien jouer. Une petite feature que j'ai pas retrouvée dans Tekken 3, parce que moi, j'ai connu vraiment la série à partir de Tekken 3. C'est ce changement de vue que je vais vous montrer juste après, une fois que je serai revenu du bon côté. Avec la touche Select. Alors malheureusement, mon émulateur est pas super bien configuré au niveau des touches. Je vais pas pouvoir changer la vue, je vais peut-être pouvoir vous remontrer après. On peut changer la vue, voilà, avec Select. C'est pas des vues hyper jouables, on peut avoir des vues comme ça, vues de haut en fait, la caméra qui se place au-dessus. Ça c'est pareil, c'est assez inédit par rapport à un Virtua Fighter qui se jouait en vue classique, hein, pour les jeux de combat, vu un peu 2D, bien que tout soit en 3D. C'est pas mal, c'est sympa, franchement, c'est cool d'y avoir pensé, même si d'un point de vue jouabilité, on est très 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 inférieur à un jeu qui se voit en vue traditionnelle. Mais bon, voilà, c'est un truc qu'ils ont pas renouvelé dans Tekken 3, je sais pas si dans Tekken 2 il y est déjà, mais bon, voilà,
fallait le signaler, c'est un truc qui existe dans ce premier Tekken, et voilà. Vous avez vu notamment la première cinématique aussi, hein, d'intro du jeu. Enfin, les cinématiques de Tekken, c'est vraiment un des atouts aussi forts de cette licence. Toujours très sympa à regarder avec une galerie, bon, peut-être pas à la fin de celui-ci, mais en tout cas, oh la vache, avec une galerie à la fin de... à la fin du mode arcade, que vous pouvez débloquer. En tout cas, c'était le cas dans Tekken 3 et Tekken 2, je suppose. Là, ici, on va voir un petit peu ce que ça donne quand on termine le jeu. Vous aviez vraiment une cinématique par perso, ce qui vous encourageait justement à tester un petit peu les différentes fins des personnages et pouvoir vraiment terminer le jeu avec tout le monde, qui était plutôt sympa. Là, je me prends une dérouillée. Petite différence aussi, comme vous voyez, par rapport à Virtua Fighter, c'est les auras qu'on a juste après avoir placé des coups, qu'on voit pas non plus dans Virtua Fighter. Virtua Fighter, c'était vraiment un jeu qui se voulait réaliste. Tekken était nettement plus orienté arcade. Putain, quel enfoiré, il me dérouille. Nettement plus orienté arcade, justement, avec ses auras aussi. Même si les coups des combattants, etc., restaient quand même assez réalistes. Même au niveau de leur style de combat d'ailleurs, c'est des coups qui sont assez réalistes et qu'on pourrait voir éventuellement dans la réalité, avec là l'eau qui est une sorte de clone de Bruce Lee. Je pense que ça vous aura pas échappé. Moi de toute façon voilà, c'est la famille l'eau que je prends en principal dans Tekken. Donc là c'est Marshall, après je suis plus habitué à prendre Forest Law dans les épisodes suivants. Parce qu'il n'a pas tout à fait les mêmes coups d'ailleurs, il a des coups supplémentaires, des coups un peu inédits. Donc c'est vrai que j'avais préféré Lolo, qui est l'ami de Paul Phoenix, qui est également dispo dans le jeu, qui est reconnu comme étant un des personnages les plus puissants de Tekken quand on sait vraiment le maîtriser. Je pense que ça, pour les professionnels et les gens qui sont très forts à Tekken, le savent très bien. On peut rester au sol. Putain. C'est de pas déconner. Voilà. Pouvoir passer enfin au stage suivant. Donc vous voyez, vous avez le petit chronomètre hein, en haut. J'en suis à 7 minutes pour compléter le mode arcade. Le boss étant, bah, j'imagine, Heihachi Mishima. Un des persos aussi culte de la série. Qui est le père de Kazuya. Alors au niveau de l'histoire de ce Tekken, bon voilà, c'est Heihachi qui va organiser un tournoi qui s'appelle l'Iron Fist Tournament, donc comme dans tous les Tekken en fait. Hein. Il organise ce tournoi, faut savoir qu'Heihachi Mishima, c'est voilà, c'est un homme puissant du Japon, si je dis pas de bêtises. Oh putain la vache. Franchement ça pète, hein. Pour l'époque, je sais pas s'ils avaient recours à la motion capture, mais en tout cas, les animations sont vraiment excellentes. Les jeux de combat, comme les jeux de sport, étant un peu aussi des vitrines techniques, hein, quelque part, des consoles. Donc ouais, Heihachi Mishima, homme puissant du Japon, qui va avoir un enfant qui s'appelle Kazuya Mishima, et la mère de Kazuya et la femme d'Heihachi meurent en mettant au monde... au monde Kazuya, ce qui va provoquer une certaine colère, une certaine rancœur de, comment dire, d'Heihachi envers Kazuya, qui va l'entraîner, mais le faire souffrir diablement, il va limite le tuer, et puis Kazuya va continuer son éducation un petit peu tout seul, et jurera de venger son père en frôlant la mort, et en rencontrant Devil Kazuya, qui va s'extraire un peu de son corps, etc. Enfin, je vous passe les détails, c'est un scénario assez bidon, les Tekken, on est vraiment, voilà, c'est un simple prétexte, hein, une nouvelle fois, pour se friter la gueule au Iron Fist Tournament. On peut enchaîner quand même pas mal les combos. Donc le gameplay de Tekken, vraiment, c'est assez particulier. Hein. C'est chaque bouton, ouais, imperfect. Chaque bouton vous permet vraiment d'utiliser un de vos membres, hein, que ce soit les boutons carré et triangle, c'est chacun des points, et les boutons croix et rond, les pieds. Donc après vous enchaînez en fonction de ce que vous voulez faire pour les différents combos. Donc je m'appelle Paul Phoenix, hein, comme vous disiez, Paul Phoenix qui est un des meilleurs combattants de Tekken. Hein. C'est vrai que quand on sait le maîtriser, c'est vraiment un personnage assez puissant qui utilise le jujitsu comme art martial, si je dis pas de bêtises. Mix entre judo et karaté en fait, si je dis pas de bêtises. Et c'est vraiment sympa. Donc là c'est Wang.
Wang. Alors Wang, c'est pas un personnage que je connais, du coup. J'ai pas fait tous les Tekken, je fais Tekken 3, Tekken Tag Tournament, et puis après je me suis mis directement, Tekken 6, mais celui-ci. Putain, on peut faire des contre-chocs, vous avez vu. Alors, il a l'air d'avoir les mêmes techniques que Anna dans Tekken 3. Ça y ressemble vachement, un petit coup là comme ça, un coup de coude avec le bras. Ça y ressemble vachement, mais ce perso-là, je le connais pas, vous voyez. J'ai jamais utilisé, il m'est totalement inconnu pour la série, donc je pourrais pas vous donner son histoire. Au niveau de la bande-son, c'est relativement correct, sans être tout à fait exceptionnel. Surtout au niveau des persos, de leurs coups, etc., je trouve vachement bien rendu. Je trouve que ça envoie, ça donne vraiment du cachet au combat. Et puis les bruits des coups et tout sont assez bien rendus, mine de rien. Je trouve ça très bon pour le coup. Ouais, donc là on est au dernier, c'est Heihachi, comme vous voyez, tout jeune hein, dans ce volet, donc c'est vraiment le personnage central de la série des Tekken, hein, et qui fait office, je pense, de boss de fin, donc à mon avis j'imagine qu'il est assez balèze. Je suis en mode médium, donc on va voir ce que ça donne. Eh, tu m'as eu une fois, mais tu m'auras pas une deuxième, mon gars. Ah, bien joué. Donc Heihachi qui pratique le karaté dans le style Mishima. Donc, un karaté un petit peu adapté au style de sa famille. Voilà. On va le bourriner un peu et je pense que ça va passer. Ce qui est sympa, c'est que les voix des persos, quand elles subissent des coups ou quand elles donnent des coups, c'est les voix qui sont restées hein, vraiment au moins jusqu'à l'épisode Tekken 3 que je connais bien, la voix d'Heihachi, etc. C'est vraiment les mêmes voix qu'à l'époque, et ça c'est vachement sympa, je trouve, d'avoir conservé un petit peu ça. Ah, enfoiré. Il m'a chopé avant que je le chope. Ah, bien joué. Donc Heihachi a vraiment des coups un petit peu qui ressemblent beaucoup, enfin c'est même Kazuya d'ailleurs, qui a plutôt des coups qui ressemblent à son père Heihachi. Allez, on va continuer, on va essayer de se le finir et puis après on s'arrêtera là-dessus, hein. Voilà, je pense je vais pas vous faire un cours sur Tekken, c'est pas le but. C'est vraiment de découvrir ensemble un petit peu le jeu, tout simplement. Matez comment c'est pas mal fait avec Heihachi là sur son torse, on voit ses poils et tout. C'est texturé, c'est vraiment c'est propre hein, pour l'époque. On s'est sorti après Virtua Fighter certes, mais on voit le bond en avant quand même assez hallucinant entre les deux jeux. Voilà, celui-là, tu te l'es pris. Petit perfect. Et non. Ce sera pas pour tout de suite, il reste 16 secondes. Alors il y a un côté moins stratégique mine de rien que les. Le soleil va être chaud. Un côté moins stratégique que sur Virtua Fighter. Pourquoi? Bien joué. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas de ring out dans Tekken. C'est vraiment uniquement du KO ou du time out. Hein. Il faut en découdre, il n'y a pas de. Voilà, il n'y a pas de. Le seul jeu vraiment. De combat de Namco qui propose le ring out, c'est Soul Calibur, Soul Blade, que je vous ai déjà présenté d'ailleurs. Un autre très grand jeu de combat que j'avais beaucoup aimé de la part de Namco. Voilà. Deuxième round, expédié. Pas trop difficile en mode médium quand on connaît un petit peu les persos. Bon, je connais pas tous les combos, mais bon, voilà. Dans l'ensemble, j'arrive quand même à m'en sortir. C'est bien ça le principal. Ah voilà, c'est le dojo Marshall, normalement. Bon, au niveau de la modélisation sur les cinématiques, hein, ça a vraiment, vraiment vieilli. Hein. Quand on compare notamment à l'intro de Tekken 3, il n'y a pas photo. Et voilà, donc là le mode arcade est terminé.